Thank you.
J'espère qu'Yara tient le coup. Les amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Allez la voir si tu veux. Elle va s'en tirer? Oui, on dirait. Salut, toi. C'est des gosses. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Je vais voir comment elle va. Ok.
Owen? Y'a que moi. Qu'est-ce que tu fais debout? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi? Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tige de deux scars? Rien à voir avec Owen? Pas vrai? J'ai fait des erreurs, je le T'es reconnais. T'es une ordure, Abby! Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Abby. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va? Ça va, ton bras? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lève, s'est calmé. Ça ira. Oh. Tu veux bien m'aider à le chercher? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. Reviens, s'il te plaît. Pourquoi Lev veut pas aller à Santa Barbara? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Y aurait moyen de faire quelque chose? Pour l'aider? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev! Lev! Je suis désolée! Lev, viens ici! Lev! Lev! Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Il a dit ça pour être gentil. Je sais pas comment te remercier. Tu as entendu? Lève! T'es là-dedans? N'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi? Elle te fera pas de mal. Tiens, regarde. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances.
veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein? Non, pas de danger. Je peux recommencer? Je crois qu'elle demande que ça. D'accord, encore une fois. T'es rapide. On devrait continuer de le chercher. Lève! Pourquoi il fait ça? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler Libby. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes parti. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est la tradition. Pauvre gamin. C'est où, Santa Barbara? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et là, Santa Barbara. Et notre île? On la voit pas, mais elle est par ici.
doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Ça, c'est mignon. T'as trouvé quelque chose ? Non. Continue à chercher. Et ça, t'en dis quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. Trop tard. Non, pas du tout. Écoute, je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu ? Il veut la retrouver. Qui ça ? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt ? Pas encore. Dans combien de temps ? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen ! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va.
Voilà la marina. Tu te sens bien? Ça va. Ok. Les Wolf utilisent cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Trop loin. Viens. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Fais gaffe. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Non. C'est une vraie tête de mule. Il devrait pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. J'ai eu le soin de jouer avec elle. En même temps, c'est sa mère. À la marina. On dirait qu'on va devoir faire le tour. C'est par là. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard.
m'en occupe. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Yara. Sur le ponton. Je prends un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok. Laisse-toi! Oui, pourquoi t'es là? Annie? T'es venue seule? Ouais. Merde! Ce sniper, c'est un putain de... Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canots, on devait attaquer l'île cette nuit.
Ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canaux. Maintenant. Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, il va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Planque-toi! Steve va buter toute mon équipe. T'inquiète, on va le choper. Putain d'intrus de merde. De quels intrus tu parles? Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué nulle part. Ils font un max de dégâts. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais?
On va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Chariot tombe en morceaux. Faut y aller. De ça. Vas-y, je te suis. Allez. Chariot tombe en morceaux. Faut y aller. Allez, allez. Putain, on est doué. Sans déconner. C'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Quoi, l'assaut est maintenu? Peut-être même qu'il a déjà été lancé. Vers nous. Prépare-toi. Faut qu'on aille sur le pont. Tire vers nous. Prépare-toi. Allez! Merde. Il les attire vers nous. Prépare-toi. Ah!
commence. Je l'ai eu. Ce type en face de moi. Allez, par ici. Vas-y, je te couvre. Vas-y. Il est passé où ? Il peut pas être loin. À terre ! Et merde !